Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de Marie et sa correspondance aux grâces. Correspondre à la grâce signifie reconnaître et faire fructifier tous les biens reçus de Dieu. Lors du baptême, le chrétien reçoit la grâce sanctifiante. Cette grâce sanctifiante renferme en elle de nombreux autres dons absolument sublimes, comme par exemple la foi ou encore la possibilité d'avoir Dieu dans son cœur comme un vrai ami. Correspondre à ces dons signifie alors coopérer tous les jours avec ce Dieu pour faire croître cette grâce sanctifiante et tout ce qu'elle contient. Ainsi, à la fin de notre vie, nous serons en mesure de dire comme saint Paul, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Dans un deuxième point, nous parlerons de Marie, qui a reçu la grâce de l'Éternel plus que n'importe quelle autre créature sur cette terre. Elle a été et demeure pleine de grâce, mais ses privilèges ne l'ont pas poussée à être oisive, bien au contraire. Toute sa vie durant, Notre-Dame s'est efforcée de travailler, de coopérer avec cette grâce, de telle sorte que celle-ci n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Ceci se voit clairement lors de la visitation, par exemple. Saint Luc nous dit qu'immédiatement après la visite de l'archange Gabriel, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes pour assister sa cousine Élisabeth. Et Saint Luc nous dit qu'elle y demeurera pendant près de 3 mois. Notre Mère Céleste fait fructifier les dons qu'elle a reçus de Dieu en pratiquant la charité dans les petites choses. Mais la Vierge s'ouvre au prochain avec hâte, c'est-à-dire avec promptitude. Et c'est probablement cette attitude qu'elle aura encore tous les jours dans son foyer à Nazareth, en compagnie de Jésus et de son glorieux époux, Saint Joseph. Il en sera de même à Cana. Lorsqu'elle se montrera pleine de sollicitude pour les noces des jeunes mariés, correspondre à la grâce par la fidélité à la propre vocation. Concrètement, nous pouvons donc correspondre aux grâces reçues du Seigneur en étant fidèles à notre vocation de chrétien. Le pape Benoît XVI disait une fois que la vie chrétienne commence par un appel et reste toujours une réponse jusqu'à la fin. Le comportement du chrétien est une réponse à la grâce de la vocation. En d'autres termes, coopérer avec Dieu signifie bien vivre nos devoirs d'État respectifs, comme époux, comme parents, comme enfants et comme citoyens. Car, comme nous le dit le Christ, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Que notre Mère du Ciel nous obtienne de travailler un peu chaque jour pour pouvoir réaliser toutes les bonnes œuvres que le bon Dieu a prévues pour nous.